Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory dans lequel, comme je vous ai promis, on va faire de l'exploration. Je reprends là, à peine, j'ai coupé, j'ai repris, hein. C'est vraiment comme ça. Bon, oula, y a maman, truc là. Ah, arrête. Y'a maman pas contente là? Bon bah regarde. Notre premier. Ah, disque dur, tiens, ils ont changé le. N'importe. Damaged hard drive successfully acquired. All pioneers are contractually obliged to preserve and secure any recovered hard drives for analysis in the MAM, which may result in benefits to the Fixit mission. Speculation as to why there are crashed freighters in your Fixit designated zone is discouraged as specified in your contract. Maman sanglier m'a fait perdre pas mal de vie. De se méfier, on va essayer de rester caché derrière les trucs efficaces. Et là-bas, il se planque. Ouais, c'est pas très efficace, ma planque. Et je peux pas. Comment ça, je peux pas grimper? Je l'ai fait il y a 2 secondes. Bah, et ah, d'accord, qu'un seul côté. Elle est passée où? Déjà. Ça devrait nous rapporter pas mal de viande, ça. Si je me rapproche de trop, elle va me charger comme. Il y a un arbre devant là. J'ai voulu essayer de la tirer, de l'esquiver, mais elle est trop rapide pour moi là. Attendez, je suis en concentration là. Oh, saloperie. Ouais, c'est pas bon. C'est bon ou ça a changé de couleur là? Ça, que je remonte et que. Ouais, oui, c'est bon, courage, fuyons. Oh, le courage, j'arrive pas à fuir, merde. Par contre, elle m'a chargé 2 fois. C'est là où il me faudrait de la prot. bon, les gars, la tentative se solde par un échec. L'exploration, elle commence dur. Je crois qu'elle m'avait déjà poutré. Oh merde, j'ai pas réussi. On va essayer de fuir. On va trouver des baies ou des trucs comme ça dans le coin là pour soigner. Heureusement, les baies c'est universel, ça soigne dans tous les jeux. Ça c'est pas un saut terrible ça. Pression là, j'ai la pression les gars, j'ai la pression. Je me dis si elle me suit là en tsum tsum. Putain, et en plus si je foire mes sauts là. Super. On n'y voit rien. Hein. Oh putain, c'est la forêt vierge sur le machin là. Ok. Bon. Ah oui, mais ça tire à distance ça. Et vu mes points de vie, c'est pas la meilleure idée. On va essayer quand même. De toute façon, il va falloir. Ça s'appelle des crashers, ça, un truc comme ça. Et par contre, j'ai pas vu de soin. J'ai pas vu de B. On dirait un œuf géant, ce machin. C'est quoi? C'est un œuf de poule ou... Un œuf d'autruche, wesh. Hein? Je crois qu'il y a... Comment j'ai problème.
costaud ce machin. Samples of unknown alien species acquired. Their weaponized plasma is most likely stored as a stable chemical substance in an organ close to their mouth and only turns volatile when exposed to one of the chemical elements in the air. Research the remains in the MAM to establish classification and potential countermeasures. J'ai plus beaucoup de vie. Oh oh. Bon, je vous propose d'aller au hub tranquillement. On va. Alors, on va étudier déjà ce qu'on a trouvé. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était une bestiole. On va étudier ce qu'on a trouvé. Régénérer un peu de vie sur le chemin. Voilà. Donc on a de l'électrolimace. Bon, pour tout vous dire, j'en avais trouvé une déjà. En fait, c'était en ramassant de la biomasse. Et bon, comme un couillon, je l'ai ramassé. Voilà. Oh putain. Alors, je vois une électrolimace, mais je vois aussi des trucs poison. Donc on va se calmer tout de suite. Hop, quoi ? Ah non, c'est bon, c'est juste mon genou qui est passé devant ma tête, y a pas de problème. Apparemment, y a pas de problème. Donc, électrolimace, hein, électrolimace bleu. Impeccable, ça me déverrouille les limaces. This semi-slug, now dubbed Power Slug, is early in its life cycle and has retained only part of its potential energy storage capacity, giving it its blue color. Power Slugs are capable of extracting latent energy from their surroundings, including through a form of photosynthesis, and preserve it in their porous semi-crystalline shell over their lifetime. This explains why they rarely move after having found a suitable location. Ça, je peux lancer la recherche. Overclocking development completed. Power shards can now be inserted into all buildings to increase input and output speed. Underclocking is also possible. Est-ce que j'ai ramassé assez Note, de power consumption of overclocked buildings increases exponentially. The remains researched belong to an organism that tends to nest near objects emitting specific types of resonance. Okay. Spitters are called as such due to their ability to create and spit plasma across long distances. Spitter remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving pioneer safety during exploration. 3, 4, 5. Allez hop. Voilà. Ça me coûte quoi? Ouais, non, ça c'est trop cher. On va faire ça. On va aller choper des plaques de fer renforcées. When completed, you will be in possession of a tool effective against any local obstacles actively objecting. Débarrasser de maman sanglier là qui nous embête. Il faut 50 plaques de fer renforcées. Impeccable, j'en ai une centaine, j'en ai 300-400 déjà de produits. Hein. Donc tu me diras, c'est une heure de production, mine de rien. Mais pas besoin de beaucoup plus, même pour le moment. Ça, voilà. Impeccable, ce qui fait que là. Rebar gun and iron rebar ammo unlocked. Your ingenuity towards preservation of fixed property has been noted. You earned a micro. On va pouvoir se défendre. I hope you feel refreshed. Oui, mais comme vous voyez, je m'attaque à ce qui est hostile, mais pas à ce qui est pas hostile. Oh, sauf le gros truc géant, parce qu'on sait pas trop. Et surtout que c'est qui me fait chier des fois quand je fais des constructions. Mais bon, ça.
Bon, et vous allez voir mon niveau en plus au FPS, hein, parce que... bon, il s'agit d'être précis en tirant, ça c'est pas mon truc. Hein. C'est clairement pas mon truc du tout. Hein. Il me faut les trucs guidés, mince. Sinon ça marche pas. Tac. Et bah, faut faire quelques munitions. Ça coûte cher en munitions, hein. Oh la vache. Ça coûte cher en outil de fer, je veux dire. On va partir sur 200 munitions. Hein? Je pense que ça tiendra un petit peu de temps. On va voir ce qu'on va pouvoir trouver d'autres en exploration à partir de là. Ouais, je vais mettre dans une main mon repousse Xenos. Xenos, je sais pas pourquoi. Et dans l'autre, ça. Waouh. Tu viens de le faire, je le contemple pas. Ok, d'accord, t'es pas chargé. Oui, c'est vraiment des barres de fer, quoi. Tu balances des morceaux de fer. Hop, alors, qu'est-ce qu'on doit trouver d'autre? Des dardareuses, des sortes d'araignées, ça je peux pas. Quoi? Oui. Oh, un équipement de main, c'est ce qu'on veut. Ça je peux pas. Du mycélium. J'en ai pas du mycélium. J'en ai pas trouvé. Ça, bah ça j'ai. Il en faut deux, merde. Ça j'ai. J'en avais, j'en ai plus. Et ça, bah, je vous pense en avoir. Et électrolimace. Ok. Ok. Sinon, je n'avais vraiment pas ça. Ouais, je n'avais plus du tout. Hein. Hop, tac, ça va là. Ça va là. Allez, repartons à l'exploration. On a presque fait le plein de vie. Pas totalement, en vrai. Alors, par où qu'on va? Tout droit, allez. On propose d'aller tout droit, on n'a pas plus exploré ça dans le coin. Là on a fait une belle petite explo mine de rien là-bas. On a une vision plus ou moins globale. Hop, on va quand même prendre ça, on sait jamais. Je pourrais récolter quelques minéraux que je n'ai pas. Oh, vous savez quoi, on le fera plus tard. On fera un autre. Alors, est-ce que je prends la hauteur? Où, apparemment, ouais, je vais devoir prendre de la hauteur. On va prendre de la hauteur, voilà. Ouais, non, c'est que le début. Hein. Oh, alors hostilité, où c'est que c'est? Déjà, mission 1, savoir où c'est. Je ne sais pas. Honnêtement, je sais pas. Là. Bon. Là, j'ai vu qu'il y a quelque chose là-bas. Donc, ça, tiens, 7, 8, 9, 0. Ouais, on va faire quelque chose. C'est que là. On va tricher un peu. Voilà. Voilà. Hein? Ah ouais. Ah oui, c'est un coup par un coup, quoi. Par contre, deux restes... Deux? Il a été généreux, lui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, là-bas? Ah... The astrobiologist Dr. D.M. Mercer was the first to recognize the presence and probable nature of these alien artifacts. These chain melted state spheres are named in his honor. Each sphere emits a unique signal. Research it in the map to establish locally appropriate classification and application. D'accord. Parce que c'est vrai qu'avant il y avait rien, quoi. On savait pas à quoi ça servait ce machin. Hop, là il y a un gros trou, donc on va partir par là. Bon, ben, on analysera ça en retour.
présentait pas du tout sous cette forme là en plus, donc c'est bien, c'est bien là, les... ce qu'ils ont fait pour la version 1, et ça déconne pas hein. Oula, c'est maman ça, c'est maman ou c'est pas maman ça? Oh, deux coups, oh, il me suffit deux coups hein. Et pourtant je suis pas bon. C'est que c'est... Ok, ça a l'air puissant mine de rien, j'ai l'impression que c'est plus puissant qu'en bêta, parce qu'en bêta j'étais une brêle avec. Ils ont peut-être un petit peu augmenté la force ou diminué la difficulté d'utilisation, parce que j'étais vraiment une brêle. Hein. Mais alors, quand je vous dis une brêle, qu'est-ce que c'est? Ah oui, je crois que c'était une sorte de girafe chelou à coup extensible. Oh. Alors, il va y avoir du méchant. Ok, c'est pas du gros méchant, c'est méchant. Je l'ai eu? Ouais, si je l'ai eu, c'était que j'ai eu. Qu'est-ce que... Je chasse pas le gentil truc, toi. Oh, c'est... Il y a plein de... Plein de baies. Ah, il m'a fallu 3. Ah oui, c'est vrai, ça c'est 3. Mais ça, je sais même pas. Ça va me rebondir sur la tronche. Oh, des poutres en béton armé. Ah oui, j'en ai pas du tout besoin. Des nobelisques. Ah ouais. Ah, du plastique. Ah ouais, mais celui-là, il est un petit peu en état avancé, le machin là. Attendez, oh là, c'est pas bon. Je découvre des trucs beaucoup trop avancés pour mon niveau là. Qu'est-ce qu'il lui faut, lui? Préparation. Poudre noire. Ah oh, oui, bon. Bon, j'en suis loin. Hop, le premier cadre modulaire. Bon, c'est quoi? Du cuivre. C'est bien, on explore. Mine de rien. Oh, le réflexe à la con là. Ah, j'aurais fait une belle chute. Hein. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Oh la vache. Ah, j'aurais peut-être dû mettre le disque dur à rechercher pendant que j'étais parti. La chute aurait été sacrément douloureuse. Oh, regardez toutes ces baies là, c'est pas le B. Hein. Oh! On arrive dans une zone pas très accueillante. Ok. Ah ouais, il y a vraiment un gros truc. Ce qu'on va faire, c'est que... On va retourner au hub, vite fait, on va vider... Et merde... Ouais, on a la flotte. On va nous trouver une électronimasse. Par contre... Quoi? Hein? Où? Non? Sorte de là, c'est pas du tout où je suis. Ouais, sorte de chauve-souris, ça c'était pas. Putain, il y a plein d'électronimates là, c'est une dinguerie. On a tous les 2 mètres. Oh, mais attendez, on a une troisième là. Une quatrième, je veux dire. Oh la vache. J'ai foiré mon saut. D'accord, je peux pas bouger ici, c'est bon. Non, mais encore une fois. Ah, c'est... Oula. Ah tiens, dardareuse. Attendez, je vais récupérer ça là. Voilà. Quoi? Hein? Samples of unknown alien species acquired. Initial data suggests these are predators, but notably they do not have a traditional mouth or eyes. There are, however, numerous cavities on their head which could fulfill a similar function. Research the remains in the map to establish classification and potential countermeasures. Oui, c'est plus simple. Ok. On va essayer de descendre à peu près. J'allais dire à peu près proprement. Pas du tout, du coup, totalement dégueulassement.
prends un peu trop la confiance là avec ce nouveau canon. Si je tombe sur un gros truc, je vais me faire casser la binette, on va dire. Je vais moins rigoler. Bon, sinon comment qu'on sort? Ah, ça a l'air d'être par là la sortie. Ah, je suis assez bas. Je viens de tellement plus haut. La sortie secrète. Alors. Nous on est dans la vallée d'Anna. Hein? Quoi? Où? Hein? J'ai cru entendre un monstre. Ah, les champignons, j'en ai besoin. De grands champiflards là. Ah, il y en a un autre là. Génial. Zagaric Lardon. Potential edible collected. Reminder that look and smell alone do not provide sufficient data to determine exact risk of consumption. Just because it looks like you can eat it, does not mean it won't eat you. Enfin, on sait pas. Research it in the MAM to establish classification and potential application. Sur plein d'applications, donc c'est un cas. Non, en fait, il doit être fan des lardons, quoi. Pas loin de la base, hein. Je pensais qu'on était un peu plus loin quand même. Hop. Allez, on va mettre les nouveaux trucs là que j'ai pu trouver à scanner, donc mégaphone. Ça. Technologie extraterrestre. The remains researched belong to an organism with 8 jointed legs, similar to the legs of arachnids, but with not standard distribution and function. Because its attacks focus on stabbing prey with the ends of their legs, which resemble insectoid stingers, they have been dubbed stingers. Stinger remains can now be made into alien protein. C'est peut-être qu'on peut avoir un dépôt à un endroit et qu'on peut y accéder un peu n'importe où. Je sais pas. Mercer sphere okay, analysis nice. Completed. Established local planetary signature of massage 2, AB, B, in the local Mercer sphere signals, allowing them to be tracked by the object scanner. Mercer spheres can also transmit data okay, between bon, specific... Changeons d'endroit, on va descendre par là-bas. Arguing the existence of intelligent alien life. While Fixit has figured out the method, all of the original data is still untranslatable. This fruit, dubbed the paleberry, due to its tendency to stay light in color even when ah oui, d'accord, j'ai du retard sur les recherches là, si on peut aller à B. Quoi. On peut le B. Further research is available. Alors là, si je ne me trompe pas, je me trompe totalement. Je suis à ce point-là. Je crois qu'il y avait un petit buisson là. Ah, voilà. J'en ai besoin. On va explorer le coin, c'est vrai que si je peux avoir du fer dans le coin ce serait pas mal, bon là il n'y a pas l'air d'avoir de fer. Ah si, mais il y a le fer impur là. On va voir si on a détecté d'autres. Je voulais explorer là-bas mais là je vois que c'est un peu... C'est pas très accueillant quoi. Ah! Normal. Ah, mais il me faudrait deux normales, ou alors je fais deux normaux et deux un normal et... Et deux impurs, mais bon, pas terrible. Quoi. C'est vraiment pas terrible, de normal en impur. Je peux passer ou je peux pas passer? Alors, c'est bien, il y a pas le B juste à côté, mais. Mais je risque de me faire poutrer un peu si je passe trop proche. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais ça. Eh, hey, va pas te planquer toi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un truc sympa dans le coin, ça protège peut-être quelque chose.
Genre quelque chose qui serait là-haut. C'était bien tenté. Oh, j'y ai cru. Hein. Franchement, j'y croyais dur. Hein. Puis attends, il y a un petit truc là, en plein milieu. Enfin, en plein milieu. Un boîtier en plein milieu, quoi. Puis il y a forcément un petit quelque chose. Ah! Attends, c'est plus costaud que ce que je pensais, ce machin là. Hein? Oh putain, je vais me faire fumer la tronche. J'aime pas trop. Ah, il a grimpé sur le caillou, il a fait. Ouais. Rien à foutre, quoi. Un passé avait vaincu sans combattre. On va peut-être régénérer un petit coup quand même avant. Il est où? Il est où? Alors tu sais que t'es caché toi? Ah t'es caché là-bas. Ah ouais d'accord, oui. Ça... Attendez, mais... Ah mais il disparaît lui en plus hein. Purée saloperie. Yes. Oula. Ça rebondit un peu partout ce machin, hein. Dis donc, c'est une balle rebondissante. Combien j'en gagne? 5? Purée, tout ça pour ça. Je pensais être récompensé. Je suis récompensé du fait que j'ai la vie sauve, c'est déjà pas mal, tu me diras. Ok, du calcaire. C'est impur, ouais, super. On va essayer du fer dans le coin. Que j'aurais possiblement loupé. On est où là? Ah oui. Oh non, y'a pas de fer. Tout le fer il est là-bas quoi. Ah attendez. Pur, 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 pur. Oh 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 oh. Bon. Il y en a 4 purs. Je vais peut-être le garder ça en vrai pour des constructions. Enfin de la production un peu plus avancée. Parce que 4 productions de fer pur en vrai. C'est vraiment intéressant. Non, là, ce qu'il me faudrait c'est un pur quoi, qu'il soit tout seul. Ah. C'est bon, ça a pas tout touché en mode Balek. Ah non, vraiment Balek. Je suis pas bon à ce genre de jeu. Voilà. Du reste de sanglier, ça me fait du reste de machin, de bidule de truc. Ah ok, on change de biome. On commence à changer de biome, une sorte de biome savane. C'est sympa la cascade. Voilà. Bon à mon avis elle serait plus belle si j'étais en HD. Mais bon mon PC il va faire... si je mets en HD. Donc on va potentiellement éviter quoi. On n'a pas le B. Plus efficace les noix béryl, mais on en a moins à la fois. Ah oui, bon alors. Ce machin là. Ouh. C'est quoi ça? Hein? Ah oui, d'accord. T'as une couleur? La défense pour ce machin.
Aïe. J'ai rien fait, c'est pas moi. J'en ai pris un, deux. Ouais, je m'en sors pas trop mal, hein. Là, j'ai cru voir un autre ennemi dans le coin, là. Je me suis trompé. Hein? Il y a deux palbés? Je me suis trompé. Oh non, non, je me suis pas trompé. Hein. Ok. Mode Beryl, donc ça veut dire que c'est Beryl qui a découvert la noix, quoi. Ce serait bien si je pouvais trouver des limaces vertes et ou vieux et violettes d'ailleurs. Et... Oh tiens. Bon, il y a forcément du. Ouh la vache. À mon avis, si tout fait mal. Oh la vache, y'a maman à côté en plus. Ça va les gars là? Bon. Un bon plan. Voilà, mais ils sont où? Ah. Je suis pas mauvais, hein. Trop bas. Parfait. Tiens, viens là. Saloperie. Voilà, de loin. En mode sniping. Ah, ça y est, elle a compris que j'étais là, je crois. Ah, c'est bon. Ça a calmé. Yes. Attends, elle bouge encore. Ah non, d'accord, d'accord. C'est déguisé en maman, lui. Hop. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. C'est le truc, ça bouge encore, hein. C'est un peu chelou quand même. Nécessite 100 watts, ah oui. Mégawatts. Oh, du stator. Ah. Bon, là, je trouve des trucs qui sont vraiment pas à mon niveau, quoi. Donc c'est pas terrible, faut pas que je ramasse tout ça. Oh, j'ai l'impression de revoir une sphère de Mesmer. Ça a l'air. En général c'est piégé ce genre de truc. Alors on s'est trompé, oui. Ça a vraiment pigé même. Deuxième là. Oh ça va, il s'est arrêté. Ah mais arrête de bouger. On bouge, mais... Arrête de changer de pattern. C'est chiant. Voilà. C'est normal, c'est ça. The effigy has no song, only echoes, but it is part of a river. Why does the effigy avoid the windows? Attention. Your brain's operations are outside typical parameters. Time spent daydreaming will be deducted from your sustenance budget. Bah super. Encore une autre sphère de Mesmer. Ah, là, attends, mais ça doit vraiment servir à quelque chose, il y en a beaucoup, hein. Bon, attendez, parce que... Encore une fois, qui dit sphère, dit méchant. Oui. Oh putain. Voilà. Ça, c'est plus ça, je m'inquiète. Ouh.
de ce qu'on parlait. Ah, ok. Si j'ai pas rechargé, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. On récupère du reste, miam miam miam. Peut-être repenser à remonter un peu là. On va tranquillement remonter. Ah ouais, d'accord, ouais, super la carte. Ah ouais. Mais c'est marrant, je pensais quand même avoir retiré les zones d'ombre de là où j'étais passé quoi. Apparemment non. Qu'est-ce que c'est? Ce serait pas une électrolimace verte là-bas? Attendez, faut que j'aille voir. Ah bah oui, si, totalement. Ah oui, mais en plein milieu de... Bon, vous savez quoi? Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'ai même pas le, j'ai même pas le déclencheur, ça. Donc... ça non plus. Hop là. Bon, on va essayer de... Ah ouais, mais non, c'est de la triche, là. Oh putain. Ok, on va essayer de pas paniquer. Ah putain, si, bah oui, si, bien sûr que je panique, là. Mal. Alors attendez, 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 si je peux me baisser, voilà. Je pense pas qu'il puisse me suivre là. Il est au-dessus hein, le saligo. Il m'a rush la tronche. Ouais. Et en plus il campe sur mon endroit où j'avais prévu de camper. Putain. Voilà. Et j'ai pris de la hauteur. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il fout? Genre, il te lance de la caillasse à distance, quoi. Pour une électrolimace verte, mais j'imagine même pas ce qu'il va falloir faire pour une violette. Hein. Allez, attends, c'est pas fini, hein, parce que là j'ai les trucs de poison tout autour. Hein. C'est... Ah c'est bon, j'ai pas l'air de les avoir trop activés. Je les ai pas réveillés. Bon, j'ai une limace verte là. Oui. Jaune? Ah oui. Oh, vert jaune, oh là là, c'est pareil. Ouais, les couleurs. C'est, ce sont des couleurs. Voilà. Pas de bouger, s'il te plaît. Pardon, je l'ai pas eu. Ah bah si, oh, oh. Oui, oui, j'ai cassé votre nid, c'est bon. Ah, 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 comment ça? Là, par contre, là, s'il y a sanglier plus machin, je vais vite perdre de la vie. Bon, ça va, j'ai pas mal de notes béryl là. C'est moi ou... Je sais ce qu'il fait, je sais pas comment. Bon, je peux pas remonter, je peux pas remonter par là, il faut que je trouve un endroit pour remonter. Parce qu'on va peut-être vraiment finir par rentrer à la base, hein, un jour. Hein. Ah, il y a un petit passage là. Je sais pas si... Ouais, bon, c'est déjà mieux que rien. Là, peut-être. Ah! Faut voir, hein. C'est bien planqué. Hein. Bon,
Puis si je trouve une petite électrolimace violette. Ah tiens. Ou un disque dur, hein, c'est très bien aussi. Hein, Merde, oh, putain, il est tellement éclaté en mille morceaux à navette. Oh oh. Alors. Je tiens le bon bout vu que il y a un ennemi qui. Ah ouais, non mais tout en haut. Laisse tomber. Oh chiant. C'est bon, j'ai donné. Allez. Mine de rien, j'aurais utilisé déjà 112 munitions. C'est. Voilà. Putain, ramasse du champiflard. C'est quoi ça? Ah, j'ai cru que c'était une électrolimace violette. Non. Dommage. Une sorte de mangrove chelou là. Mangrove asséchée. C'est bizarre. Pas d'électrolimace violette, sniff. Où c'est qu'on est? Ah ouais, on va peut-être changer de. Oh! Ah oui, bah attendez. Ah oui, bah oui, bah pop-moi dessus, je te dis rien. Ah, y'en a deux! Ah ouais, plus radioactif! Oh merde, oh non, non, pas ça. C'est le mob radioactif là. C'est un mob très haut level qui est radioactif. On va se barrer comme ça. Ah ouais, non, mais là c'est. Là, laisse tomber. Hein. Ah non, je me barre. Hein. Gardez la sphère. Hein. Franchement, faites, c'est à vous, hein, les gars. Hein. Gardez votre butin. Hein. Il est radioactif le machin. J'ai pas le niveau. Hein. Je crois que je suis young. Oh putain. Bon. Ah oui. Faut qu'on décale un peu sur la. Sur la droite. Ah. Pas le B. Champignon. Champignon. C'est très bien tout ça. C'est une belle récolte là. On va avoir de quoi passer l'hiver. Ah ouais, mais là c'est poison. Ah putain, on va falloir passer en. Ah ok, on est là. On est au. Un endroit où il y a des gisements de pétrole. Pur, je crois. 3 purs, si je me trompe pas. Ou au moins. Oula. Mais au niveau du passage, c'est compliqué. Oh non, mais non, mais non, mais il est revenu! C'est de la triche! Comment ça? Oh là là, c'est la merde! Bon. S'il pouvait éviter de me suivre sur machin là. Attends, mais il m'a suivi depuis tout là-bas là? C'est une dinguerie! Oh non! Oh non, pas encore un. Laissez-moi tranquille! Laissez-moi cueillir mes petits champignons tranquilles dans la forêt! Le petit chaperon rouge là. Ah, il est derrière moi. Ah, je m'en fous, hein. Si je dois traverser tout ça à la nage, je traverserai tout ça à la nage. Ah, c'est dangereux par là. Quelle idée de merde. Bon, au moins. Quand on est dans l'eau, dans le jeu. Ça a l'air à plus ou moins en sécurité, disons qu'il n'y a pas de piranha quoi. Le jour où ils vont rajouter, ça va être un peu la bouise. Dis donc, c'est hostile hein, maintenant. On peut pas se balader n'importe où. Hein. Ok, ouais, la bestiole. Hein. Oh là là, quelle idée de partir en exploration. On m'y reprendrait à partir comme ça en exploration. Ah, c'est quoi encore là? Ah oui, non, mais une Dardarus qui te sorgue. On est même pas dans les. On est même pas une taverne à côté, une taverne.
Une caverne à côté. Oh merde. C'est bon, j'ai compris. T'es où? Ah, putain, il va me balancer dans le vide ce. C'est bon? T'es ton compte? Ça c'est quoi ça? Attendez. Un Summer's Loop. The Summer's Loop was named after Marie Somerville, co-founder of Fixit and head of its R&D department. Ok, d'accord. There are many theories about the origin of this shape and why the symbol mathematically resembling a Mobius strip has found its way to both human and extraterrestrial culture. Thankfully, you don't need to know any of these theories to be a pioneer. Research it in the MAM to establish locally appropriate classification and application. Fun fact. The planet you are on was found and named during a planet spotting event Marie hosted named Marie's Awesome Scientific Search of the Avant-Garde Exoplanets. Ouais. Ok. Tu le dis. Il y a un truc qui brille là-bas. Ça doit être, bon, ça doit être une bleue. Hein. J'ai pas les yeux hein, pour détecter la couleur, donc je suppose que c'est une bleue. J'ai vu une autre là-bas. Non, parce que vu la difficulté. Il n'y a même pas un mob à côté pour la garder. Je m'aurais dit que ça aurait été une violette. J'aurais un peu douté quoi. Et si ça en avait été une, j'aurais pas compris. Oh, c'est pas une jaune là. Ah, ça se barre entre eux. Oh, trop bien. Hein? Hein? Quoi? Merde. Je suis vraiment pas bon dans ce jeu là. Il y en a une derrière là, je sais pas. Bestiole. What? Bon, on n'a rien vu. Allez. Juste à se ramasser. Eh, il y a juste à se pencher pour ramasser les restes de dardardeurs. Ou de dardardeuses, je sais pas, c'est quoi, c'est du catérium. On verra plus tard le catérium. Mais c'était vraiment pas loin de chez moi en plus. Hein. Et pas loin de chez moi, il n'y a pas genre. Ça, voilà. Pourquoi partir loin alors qu'il y a quelque chose vraiment à côté? Tirer sur la poignée. Ah oui, c'est tout. Mais écoute. Oh, regardez tout ce que je trouve, putain. Ah, c'est trop bien. Tout de cuivre. Ah. Ah bah, je suis... Oui, et en terre plein. On va venir chercher, c'est pas loin. Faut juste s'en souvenir, quoi, purée. Je l'avais vu en plus, hein, il y a quelques épisodes en ramassant, là, les... la biomasse. Et je suis totalement zappé. Hein. Mais alors, puissance. Alors, faisons nos recherches. Qu'est-ce que j'ai trouvé là? Rien. Qu'est-ce que j'ai trouvé là? Ça. Un Summer Sloop. Ok. On va débloquer des choses. Summer Sloop analysis completed. Ah oui. Summer Sloops are somewhere between battery and conduit. Harvesting energy from pockets of space with complete disregard for the rules of the space-time continuum and distributing it into its connected ecosystem. This energy... Let the effigies harvest until the waves reach our shores. Consume. Similarities to the hypothetical force of dark energy to potentially be one and the same. It can now be tracked by the object scanner. Okay. C'est la recherche de ça. Processeur nutritionnel, bon, on n'aura pas. Eitrolimas. This fruit, dubbed the barrel nut after its distinctive color, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Further research is available. Ok, cool. Eitrolimas jaune. Research completed. Yellow power slugs are further into their life cycle than blue power slugs, and thus have more potential energy stored. Électrolimaces, c'est une histoire d'être plus avancé dans le cycle de vie. Tu prends des électrolimaces bleus, et tu les laisses mûrir. Enfin, grandir. Mûrir, grandir, enfin au choix. Comme vous voulez, hein. Choisissez le mot qui vous convient. Quoi. Non, y a pas moyen ça. Un élevage quoi, un élevage d'électrolimaces. Mycélium, j'en ai hélas pas trouvé, ou alors j'ai totalement zappé. Ça y est, pas. Je sais même pas ce que je veux.
sais même pas à quoi ça correspond. C'est génial. J'ai hâte de voir en tout cas. J'ai hâte de voir toutes ces nouvelles technologies là que je connais pas. Attends, je vais pas scanner ça. Quoi ? Ok. Power slugs extract latent energy from their surroundings to sustain themselves. By tuning the object scanner to the particular potential energy signature, it is now able to locate them against the background environmental static. Okay. On va analyser un disque dur. C'est une dizaine de minutes par contre. C'est pas pareil au niveau du temps. On va stocker un petit peu tout ce qu'on a pu récolter. Hop, tac. Ça, j'ai pas besoin actuellement. Ça non plus, notre berry, je vais en garder quelques-unes de côté. Non, que j'ai déjà les palbés. Ça. J'ai pas une technologie qui nécessite des poutres en acier. Ah si. Ah j'ai ça. 500, non, bon d'accord. Non mais très bien, j'ai compris. Voilà. Bon, eh ben on aura quand même récolté pas mal de choses. La vache. C'est bon, ça a bougé ça, c'est pas très bon. Eh, ça bouge, regardez. La sphère de Mesmer. C'est bien foutu, hein. Ah, vous l'avez aussi sur le retour, c'est très bien. C'est quand même pas mal foutu, hein. La question, est-ce que j'ai trouvé du fer au moins pour le prochain épisode quoi? Voilà, on avait trouvé du fer pur par là-bas je crois. On est peut-être trop loin hein, pour scanner. Ouais ça doit être ça, on doit être trop loin pour scanner. Et ben... Tiens, temple. Ah, dommage, c'est que du temporaire. Eh bien, on verra où est-ce qu'on va. Bon, après, en soi, pas besoin de cadre module. J'ai rien dit. J'allais dire, on a pas besoin de cadre modulaire. Mais si, on a besoin de cadre modulaire pour le transport motorisé, quoi. Production d'acier aussi. Ah. Pour ça, à la rigueur, j'en ai pas besoin. Tiens, bah, je ferai la sécurité accrue des actifs. Pour le reste, il me faut de l'acier. Donc, à voir plus tard. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Allez, c'était Tiob. Ciao.